Hello tout le monde, me revoici pour une autre vidéo en face cam. Je vais essayer au moins de faire des book haul. Oh, regardez-moi ça. Essayer de faire des. Pas des. Ouais, des book haul et des. Comment ça s'appelle en fait, des bilans un peu de ce que j'ai lu dans le mois, on va dire, en face cam. Surtout quand j'ai des cratères comme ça. Non mais voilà, je voulais absolument vous montrer tout ce que j'ai acheté au mois d'octobre, mais en fait je me suis pas rendu compte. Mais j'ai acheté énorme au mois d'octobre. Voilà. On va plus trop aller sur fond d'écran, enfin, sur fond de derrière en mode livre. On va rester sur un truc simple, un peu comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Mais en tous les cas, on parlera toujours de livres. En fait, c'est ma véranda et en fait, je me dis, il y a beaucoup de luminosité, il y a tout ça, donc c'est sympa. Vous risquez d'entendre mes toutous, hein, voilà. Mais on est pas mal, on est pas mal, on est bien placé. Donc, je vais arrêter de parler parce que j'ai énormément à vous montrer. Je pensais pas avoir autant acheté. Je me suis pas rendu compte et en plus de tout ça, j'ai pas tout posté sur Instagram, donc. Donc en fait, je vais pouvoir vous en montrer. Et mon palmier fait du bruit. Bon, premier livre que je vais vous montrer. En plus, j'ai acheté des beaux pavés, on va dire. Donc, il faut que je les lise. Premier livre, donc, c'est Marc Lévy. Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Donc, de Robert Lafonte. Je pense que il est vachement connu. Là, je vais vous montrer d'ailleurs en parlant de ça, je vais vous montrer les livres que j'ai eu en premier. Un des trois, je vais y arriver dans une petite librairie sur Amiens. Si vous êtes de Amiens, en gros, c'est la bouquinerie ouais, des Flandres. C'est rue de Sully et c'est vraiment pas mal. En fait, il n'y a que de l'occasion, il n'y a que des livres d'occasion et c'est vraiment, ils sont vraiment bien et tout, ils sont propres et tout. Lui, je lui ai à 3 euros. Donc franchement, pour un beau pavé comme celui-ci, il est propre. Je sais pas si vous allez voir. Bah, c'est donné en vrai. Je pense que avec la saison qu'on a sous un plaid, il doit être super beau à lire. Il doit être hyper intéressant. Donc de toute façon, je reviendrai vers vous. Je ne sais pas quand je vais le lire, hein. Tout ça, je ne sais pas quand je vais le lire, on verra bien. Mais je reviendrai vers vous pour vous en dire un peu plus. Donc voilà. Mais j'ai quand même hâte de le lire. C'est un beau pavé, il fait plus de 400 pages. 400, à peu près 425 pages, 426. Ça, c'est écrit quand même assez gros, mais ça va se lire facilement. Mais oui, c'est vrai que je suis bien tentée pour le lire. Deuxième livre que j'ai acheté encore à la petite boutique, hein, de toute façon c'est ce que je vais vous montrer pendant très longtemps sur cette vidéo, c'est celui-ci. Alors c'est Biblo le Hobbit, donc c'est de J.R.R. Tolkien, je crois que ça dit comme ça, édition Hachette. Je l'ai payé 2 euros et il a l'air excellent. Il est un peu abîmé par contre celui-là, un peu là, un peu, enfin même la couverture est un peu abîmée. Et puis le côté il est abîmé aussi, mais bon, j'adore ce genre de petit bouquin. Il fait à peu près, que je dise pas de bêtises, il fait à peu près 400 pages. Ouais, 400 pages, c'est écrit tout petit, mais vraiment, il doit être super bien. Et puis, comme je me dis, si je dois aller quelque part ou quoi, pour l'emporter, c'est vraiment pas mal. Ça permet de pouvoir l'emporter partout parce qu'il est pas très gros. Donc, celui-là, validé. Bon, un autre livre que je pense que vous avez vu sur Instagram à fond. Je pense Instagram, peut-être YouTube aussi. C'est celui-là. Alors, Nos destins acharnés, donc de Sophie Audouin Mamie Cognon. Mamie Cognon, je crois que ça se dit comme ça. De l'édition Michel Lafonte. Donc, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes en ont entendu parler. Je ne suis pas trop romance, mais celle-là, elle me tente énormément. J'aime beaucoup. Enfin, je sais pas, en ce moment, j'ai vraiment envie de lire des. Après celui que je suis en train de lire, j'ai envie de lire des trucs un peu. On va dire souple, je vous le dis, etc. Donc je pense qu'il sera peut-être dans mes prochaines lectures. C'est un beau pavé aussi. Hein. Il fait à peu près 430 pages. Il n'est pas écrit en gros dedans, mais bon, il me tente bien. Et puis la couverture, elle est magnifique. Par contre, je ne me rappelle plus combien je l'ai acheté celui-là. J'ai plus le prix. Mais je l'avais pas acheté trop 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 cher, pareil, dans la même boutique. Donc il est en parfait état. Donc, hâte de lire.
Alors, un autre bouquin, c'est celui-là, toujours dans la même boutique. Je vais arrêter de dire ça à un moment, non? C'est comme, alors, comme les pièces d'un puzzle de Richard Colombo, édition Hugo Roman. Donc, c'est vraiment pas mal aussi à lire, je pense. Bon, après, c'est normal, vu que je les ai choisis. J'espère qu'ils vont être bien quand même, hein, parce que je suis plus tard, je dis ça. Mais ouais, il a l'air vraiment pas mal. Il a l'air très touchant aussi. Donc, j'aime beaucoup ce genre de livre. J'adore ça. Il fait à peu près 400 pages à peu près, on va dire ça, mais c'est pas ici non plus à écrire en gros, hein, mais c'est vraiment pas mal. C'est vrai que j'ai acheté des pavés cette fois-ci, c'est incroyable. Mais des beaux petits livres quand même, et donc bah, j'ai hâte aussi de le lire. Et pareil, j'ai pas vu, j'ai pas le prix, je m'en rappelle plus, mais la couverture elle est très propre. Il y a juste le petit truc là qui est pas propre, mais ça, c'est pas gênant. Mais vraiment, il est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très propre. Et des fois, j'ai envie de l'enlever. Mais on verra bien quand je le lirai. Encore un autre dans la même boutique. J'ai pas le prix non plus, mais c'est celui-là. Alors, ça s'appelle Les Évadés de Sobibor, de Richard Rask, édition presse de la Renaissance. Alors, il est beaucoup plus abîmé. J'ai dû l'avoir à 1 euro, je pense. Parce qu'il n'y a pas écrit le prix. Il est beaucoup plus abîmé. Et je crois même que celui-là, que je vous avais monté juste avant, je crois que je l'ai eu à 3 euros. C'était dans le truc de 3 euros, je crois. Et même Nos destins acharnés, c'est ça, je l'ai eu à 3 euros aussi. Vraiment, vraiment aussi hâte de le lire. Je l'ai eu, je pense, à 1 euro celui-là. Celui-là, ça m'étonnerait pas que je l'ai eu à 1 euro parce qu'il est vraiment abîmé. Même sur les côtés, il est abîmé. Mais il a l'air vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Il a plus de 400 pages. Donc c'est un beau pavé aussi. Mais j'ai hâte de le lire et d'en savoir un peu plus parce que c'est vraiment, moi j'adore ce genre de choses, la guerre et tout, apprendre, j'adore ça. Donc voilà. Encore une fois, dans la même boutique, j'ai eu Le Pays sous le ciel de Mathilde Ascensil de l'édition, que je dis pas, Charleston. Ce livre-là, je crois que je l'ai vu passer sur Instagram, ce qui m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il me tente aussi, c'est un sacré pavé aussi. Il me tente, il est très propre, par contre c'est incroyable, à part ça, on s'en fout. Mais sinon, il est propre quand même. Je l'ai payé 1 euro. Je crois qu'il y a 1 euro. Donc franchement, j'ai hâte de le lire. Il fait c'est un sacré papier. Alors, moi je sais ça. Il est sorti en 2013, celui-là. Il fait à peu près 455 pages. Donc un beau pavé aussi, avec des petites écritures. Mais de quoi lire, c'est toujours prenant. Je crois qu'au niveau de la petite librairie, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 trucs à vous montrer. Donc 4, non, 4. 4 trucs à vous montrer, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Et après, on passe sur autre chose, hein, parce que j'ai pas encore fini de ce que j'ai acheté au mois de octobre. Donc là, on est sur une autre petite pépite, un autre pavé, on va dire. 5 filles, 3 cadavres, mais plus de volant. Intéressant. Donc c'est de Andrea H. Jappe, édition Marabout. Donc Girl in the City, j'aime bien, ça fait un peu penser à Sex and the City. Il m'a l'air génial comme livre, vraiment. Celui-là, il m'a l'air trop trop bien aussi. Franchement, j'ai vraiment hâte de les lire. Il doit se passer vraiment pas mal de choses, je pense. Je pourrais vous dire, mais je pense qu'il doit se passer quand même pas mal de choses. C'est vrai que ça fait penser un peu à la série Sex and the City, quand on écoute un peu ce qui se passe, quoi. Mais j'ai hâte. Donc, il fait à peu près 350 pages, donc ça va encore. Je pense qu'il va se lire assez bien. De toute façon, quand on est dedans, là, voilà. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ensuite, une autre histoire qui m'a l'air marrante, c'est de Bernard Weber, Nos amis les humains, d'édition Livre de Poche. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit combien je l'ai eu, lui. Je l'ai eu à 4,50 €. Ça va, franchement. Et il est très très propre.
m'a l'air vraiment génial parce que là on est dans un autre domaine que nous en fait. C'est en gros on va penser autrement et ça c'est vraiment pas mal. Et c'est ce que je veux aussi, hein, des fois déconnecter et arrêter de penser comme on devrait penser. Un peu être hors du sujet, on va dire. Et je pense que ça va être marrant. Je l'ai eu pour 2 euros. Il est propre. Il est propre quand même. Là c'est propre. Il n'y a pas de tache, rien. Et puis la couverture, les couvertures, enfin. L'avant, l'arrière est propre, donc nickel. En plus, je peux l'embarquer partout. Pour ça, c'est bon. Là, j'ai un pavé. C'est mon chéri qui l'a choisi sur tout. Mais moi, je vais le lire, mais mon chéri, je pense qu'il va le lire aussi. Mais c'est un sacré, sacré pavé. Je pense qu'il va le lire aussi. Il faut que je le montre à mon beau-père, parce que je sais que... Là, il aimerait bien se remettre à lire parce qu'il aime bien la lecture, mais c'est vrai que pour lui, il n'avait pas trop le temps. Là, il va essayer de s'y remettre. C'est Beer Girl. Beer Girls, pardon, je crois que tout le monde le connaît. Donc, par le héros de Man vs Will, Le tombeau d'acier, donc qui est de l'édition Hugo Thriller, pardon. Et ça, celui-là, il doit être impressionnant. Impressionnant. Donc ouais, c'est un sacré pavé par contre. je vais vous dire à peu près. Ouais, c'est un beau pavé. Hein. On va dire à peu près 550 pages à peu près, hein, j'arrondis. Et il est très propre. Je sais plus combien on l'a eu. On l'a eu beaucoup moins cher que ce qu'il indiquait. Parce que non, c'est 19,95 €. Je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Il est très 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 propre. Juste un petit peu plié ici. Mais sinon, il est très 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 propre. Ça sert à rien. Je mettrai un bouquin dessus. Il est beau. Il est à lire. Voilà. Ensuite, je suis partie dans un truc un peu jeunesse. Rien à voir. Et en plus de tout ça, j'ai regardé parce qu'en fait, j'avais eu trop peur. J'ai choisi les mauvais tomes. Enfin, c'est mon chéri qui me les avait montrés. J'ai dit, oh, ils ont l'air trop bien. Mais j'ai pas vu c'était des tomes. Et en fait, en fin de compte, j'ai regardé, c'est pas une suite. Donc ça me rassure. Chaque tome a son histoire. Donc ça me rassure. Il est là. C'est Smokeville, la ville de la peur, de Christopher Pike. Et je vais vous montrer. Je l'ai eu à 4 euros. Donc en fait, c'est chaque histoire. Donc ça se présente comme ceci, les trois livres. Chaque histoire sont sur des histoires, enfin en gros c'est des histoires à eux. C'est vachement jeunesse hein, parce que c'est Kid Pocket, ils sont Kid Pocket donc c'est vraiment jeunesse. Donc vous avez, en fait moi j'ai pris le 4, 5, 6, donc c'est pour ça que j'ai eu peur. Donc le 4 c'est Smokeville, il n'avait vraiment rien d'humain, donc le kidnappeur de l'espace. Ça me fait penser un petit peu à comment il s'appelle? Weber, c'est ça. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, le 5, c'est Smokeville. Le sang se glaçait dans leurs veines, les créatures du froid. Et le 6, on est sur donc Smokeville aussi. La sorcière a été d'une humeur massacrante, le piège de la sorcière. Donc vraiment, ils sont hyper sympas, ils sont tout petits et tout. J'adore, ils sont trop propres en plus. Peut-être la cale, enfin, je sais pas, ouais, c'est une page. Le truc là, elle est pas en très très bon état, mais bon, après, je m'en fous, franchement, 4 euros et c'est surtout ça qui compte. Et ça, franchement, ils sont en trop bon état et j'ai grave hâte de les lire. En fait, ça va se lire trop vite. C'est vraiment des petites petites lectures et je suis même tentée, limite, de faire un 7 jours, 7 livres et de les mettre dedans avec un petit bouquin ou des trucs comme ça. Mais en fait, faire que des 7 jours, 7... Enfin, faire un 7 jours, 7 livres, mais avec que des petits bouquins comme ça. Parce que trop marrant quand même. Faut que je vois. Parce que faut que... Là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4. 4, il m'en faut encore. Donc voilà, pour 4 euros, c'est très bien. Le dernier de cette petite boutique de la bouquinerie des Flandres. Donc, à Amiens, je répète, en rue de Sully. On a trouvé cette pépite. Genre, c'est une pépite. Pépite, pépite, pépitas. Alors, déjà, magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà. Hein. On est sur quelque chose de beau. Mais en plus de tout ça, donc c'est vraiment, même à l'intérieur, regardez-moi ça. Franchement, c'est trop beau. Il y a ça, il y a des illustrations. Donc, en fait, on est sur quelque chose de très, 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 très beau. Donc,
pour vite vous dire, The Sherlock Holmes Collection. Donc, Le Chien de Baskerville. Donc, il est vraiment trop beau. Il est en hardback comme ça. Il est trop, trop magnifique. Enfin, franchement, je vais le lire. Mais que à la maison, déjà. Et je sais même pas, parce que je vais vous montrer après, mais je sais pas si je vais le lire, mais en tous les cas, pour l'instant, je vais vous montrer pourquoi, mais parce que, enfin, je peux pas vous dire comme ça, je peux pas vous dire. Comment vous dire? Bon, vous savez quoi? En gros, je vais vous montrer pourquoi je vais peut-être pas le lire à lui, mais en tous les cas, en décoration, il est magnifique, on l'a mis à l'entrée. Il est trop beau, et vu que c'était le dernier de cette petite boutique, on l'a payé 4,50€ d'ailleurs, vous voulez savoir. Je vais vous montrer pourquoi je vais peut-être pas le lire dessus, mais parce que tout simplement, 4 tomes de Sherlock Holmes. Magnifique. Magnifique. Ils sont trop beaux. Je les ai eus à Carrefour, les gars. Carrefour. 4,99€ le tome. Donc, foncez si vous pouvez y aller. Je l'ai commencé. J'ai commencé le tome 1 qui est là. Que vous allez voir, je pense, d'ailleurs, sur mon bilan que je vous aurais mis juste avant cette vidéo-là. Et que j'ai fait en vlog. Donc, enfin, là, j'ai pas trop avancé parce que ce que je disais sur mon vlog. En fait, j'ai reçu ma Switch la semaine dernière. Parce que là, je tourne une vidéo. Ça fait la troisième en une semaine à peu près que je vous tourne cette vidéo. Et donc, j'avais pas trop avancé. Là, je suis à la page 184. Je suis à la deuxième enquête. Mais en gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a à peu près 10 enquêtes dans un tome. Donc, celui-là, donc, c'est pour ça que le chien de basket. Baskerville, je me demande si il n'est pas quelque part ici. Donc s'il est quelque part ici, bah, ça sert à rien que je le... Il est là, ouais, tome 3. Donc ça sert à rien que je le lise que sur ça. Mais par contre, il est tellement beau, mais tellement magnifique que juste pour la beauté, je le mets de côté. Il est vraiment trop trop beau. C'est genre... un truc pour moi que j'adore en fait, je l'enlèverai pas de mon truc, même si je l'ai dessus, c'est pas grave. Et franchement, ça vaut trop le coup. Allez sur à Carrefour, 4 tomes, ben en fait ça vous fait 20€. Donc franchement, crachez pas dessus. 4,99€, en plus vous avez 10 enquêtes dedans. Il fait un tome, fait à peu près 450 pages, moi je suis le premier, il fait 446 pages, c'est énorme quand même. Hop, et il est magnifique, vous avez de quoi lire en plus. Enfin, même à l'intérieur, c'est trop beau. Bon, voilà quoi, c'est trop bien fait. Donc voilà, foncez, foncez les gars, franchement c'est la meilleure occasion. Et je sais, je les ai vus là, même mon beau-père il en a acheté, mes beaux-parents ils en ont acheté. Ils ont acheté les 4. Mon beau-père, j'en avais parlé, mais il l'avait oublié. Puis il a acheté les 4. Il me dit, bah regarde ce que j'ai en haut. Je lui dis, je sais, je les ai déjà. Ah bon? Donc voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. N'hésitez pas. Carrefour. Moi, les grands Carrefour par Market, j'ai pas trouvé en Market. Mais les grands Carrefour, vous les trouverez. Donc, voilà. On s'attaque aux deux derniers livres de ce book haul du mois d'octobre. Enfin, hein. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà vraiment pas mal. Donc les deux que je vais vous montrer, je les ai achetés à Cash Express, donc d'occasion aussi, hein, parce que à part les Sherlock là, les 4 tomes que je vous ai montrés, sinon c'est que de l'occasion, parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, autant profiter qu'on ait de l'occasion, et beaucoup plus de livres maintenant d'occasion, parce que ça vaut très très cher, hein, donc faut être honnête. Le premier que j'ai à vous montrer, c'est Bridget Jones. Je l'avais déjà eu, je crois. Folle de lui, de Hélène Felding. Je ne me trompe pas. Édition d'ailleurs, quelle édition? J'ai pas vu l'édition de noter quelque part. Je sais pas. L'édition, il n'y a pas d'édition. Je sais pas où elle est écrite, l'édition d'ailleurs, parce que dessus elle est. Pas dessus, c'est bizarre. Ah, Albin Michel, voilà. Fallait regarder dans le livre, parce qu'il n'est pas écrit du tout. Donc déjà, la couverture, j'adore.
Je l'ai payé 2 euros. Vraiment pas mal, il détend de fou. Il est un peu beaucoup abîmé. Et en plus de tout ça, ils ont tendance à nous coller, vous voyez, leur étiquette par-dessus. C'est un peu dégueulasse quand même. Surtout qu'en fait, je vois qu'ils l'avaient déjà. Parce qu'avant, ça s'appelait pas Cash Express. Ça s'appelait Cash Converter. C'est ça. Donc, en fait, ils l'avaient déjà. Sauf qu'ils ont mal retiré l'étiquette de Cash Converter. Et ils ont recollé un Cash Express par-dessus. Donc, franchement, ça fait un peu dégueulasse. Mais je vais essayer de l'avoir. Je sais pas si vous avez des astuces pour enlever ces trucs-là. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Tous les cas, je ne l'ai pas eu cher. Je l'ai eu à, comme je vous ai dit, 2 euros. Donc, ça vaut le coup. Il est un tout petit peu abîmé. Bon, c'est pas grave. Et il a l'air hyper détente. Et j'ai hâte de le lire aussi. Il est gros aussi. Hein, plus de 400 pages aussi. Finir et après, j'arrête de vous embêter. Hein. Ça a été long. J'espère que vous avez réussi à venir jusqu'ici. On est sur un autre roman. Mario Puzo Ormeta. Donc, c'est ce qu'il écrit. Mario Puzo Ormeta. Suspense et si. Donc, 1 euro au lieu de 2 euros. Et pareil, ils nous ont foutu une étiquette. Ils ont juste barré cash. Donc, ils nous ont laissé l'étiquette là et ils ont mis une autre étiquette là. Je l'ai eu 1 euro. Donc, voilà. C'est vraiment un truc un peu thriller et tout. Enfin, voilà. Il est abîmé là. Il est. J'ai cru entendre mon chat. Il est abîmé là. Hein, il est taché. Il est un peu abîmé sur le haut, mais bon. Et là, sur le bas d'ailleurs aussi. Mais bon, c'est pas grave. Pour 1 euro, c'est largement suffisant. Et puis, c'est un peu. Ouais, un truc là, un truc de mafia, tout ça. Donc. Donc, à voir. Hein, il fait à peu près. 430 pages. Oui, c'est 430 pages. Donc, j'arrondis, hein, comme depuis tout à l'heure. Mais bon, pour 1 euro, c'est très, 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 très bien. Donc, voilà, on a fini. Je regarde, mais on a fini. On a fini pour le mois d'octobre. C'est incroyable. Je suis trop contente de vous avoir montré tout ça et de vous avoir parlé de tout ça. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me suivre. Je continue les vlogs. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, je suis trop contente. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Il faut que je trouve des idées. J'ai peut-être une idée qui va arriver. Mais il faut que je trouve les livres. Il faut que je trouve les livres, d'ailleurs. Donc, voilà. J'ai regardé, mais c'est compliqué à les trouver. Donc, à part en neuf. Mais moi, j'ai pas trop envie d'investir dans du neuf. Ma bibliothèque est presque que de l'occasion. Donc, voilà. Vous allez dire, mais t'es une clocharde? Non, c'est juste qu'en fait, je me dis, pourquoi mettre 20 euros dans un pavé? D'accord, c'est très bien, mais je trouve que c'est abusé, mettre 20 euros pour une lecture qu'on va lire qu'une seule fois. Enfin, moi, je sais que je fais pas de relecture, donc un peu compliqué. Un jour, peut-être que je referai un challenge relecture, mais c'est même pas sûr parce que ça me tente pas. Donc, à voir. À voir, mais moi je fais pas de relecture, donc ça m'embête de mettre autant dans un livre. Donc voilà. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, j'ai des livres en vente. Donc n'hésitez pas. Il y a des vieux livres, comme des trucs un peu moins vieux, mais moi j'aime bien. Et je les ai pas mis trop cher, juste je demande un minimum de 2 euros, mais normalement mes livres sont à peu près à 1 euro, donc voilà. Bon. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Un petit pouce bleu, ce serait gentil. Et si vous avez quoi que ce soit d'ailleurs pour l'astuce de l'étiquette, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous voyez des défauts ou autres, ben, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire et j'essaierai de changer tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.